Oh no. Oh mon dieu, on est cuit. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Mr. Ops Playhouse 3. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, on l'a toujours pas fait et on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Ok, on a une porte avec 0. Un B. Regardez, il y a des emplacements. Alors, c'est peut-être les cristaux. Et on a des étages en fait. Ok, une salle avec une étoile. Là. Et il y aura vraiment plusieurs étages, les amis. Alors, je sais pas si. Final. D'accord. On va commencer. C'est parti. 6 months ago, I defended myself from a monster that took away my home and my parents. I thought that my friends would be there for me, but when I told them what happened, they just laughed at me and spread rumors like I was some crazy killer. It got so bad that I had to drop out of school. Things have been awful ever since my Nana died. I wish she could call me her little gem and tell me everything was going to be okay. Just one more time. Ok les amis, obtenez l'eau dans la cuisine. Donc rappelez-vous, le jeu est en 3D, c'est ce qui change des autres. J'aime dessiner, ça me fait toujours du bien. Est-ce qu'on peut voir les dessins? Non, ils ont pas les roofs. Et on a notre petite poupée qui est creepy. Ma poupée Hiding Holly, ma seule amie au monde. On va prendre notre verre pour pouvoir le remplir d'eau. Donc rappelez-vous, ce jeu a plein de secrets. Les Mr. Ops sont plein de secrets, il y a plusieurs engines. On a un lapin déjà, ça me rassure pas. C'est que c'est par où la cuisine? Ça c'est les toilettes. Est-ce qu'on peut se remplir de l'eau aux toilettes, vous pensez? Non. Ah. On peut interagir avec le canard en plastique, c'est cool. Là c'est très très calme. Moi ça m'inquiète quand c'est très calme comme ça. On est une radio. Je peux pousser ça? Oh non, la musique. Donc, est-ce qu'il y a un truc en hauteur à attraper? Je peux pas faire de bêtises. Oh, vous l'avez vu, il était dehors. Il était derrière la fenêtre. Non. Ok. Pour l'instant, je peux pas courir. Hein. C'est pour ça que c'est assez stressant. Oh non. C'était quand il fait noir, ben moi aussi. Et qu'il y a des bruits bizarres, je crois que c'est la télé. Ruby, pizza au frigo, je rentrerai tard, tante. L'heure d'entrée, tante. Oula. Oula. Les gars, ça fait peur. C'est la poupée. Oh, tu m'as trouvé? Comment elle est arrivée là? Retourne te coucher. Il fait tout noir. Oula. Turn around, Maggie. Ah non, j'aime pas ça. J'aime pas beaucoup. Oh non, j'ai failli me bloquer. Bon, on pourra plus prendre le tabouret malheureusement. J'ai peur. Pensez que c'est bon. Allez, go dodo. Ah! Ruby, c'est moi. Ouvre la porte. Open the door. Dad? Papa? Open the door, Ruby. Ouvre la porte, Ruby. Oh mon dieu. Plus grosse erreur de ma vie. J'ai l'impression que c'était pas sa voix. You? Ah, ce jeu va être flippant, je vous le dis. Donne-toi à nous. Ils veulent que je me sacrifie, c'est ça? Les gars, le début des problèmes.
maison a complètement changé. Ok, là c'est une impasse. Ah! Il y avait un genre de fantôme? Ah! Oh mon dieu. On est cuit. Oh oh. Ok, c'est l'intro les amis, incroyable! Oh là là, je sens que ce jeu va être épique! Where am I? I can't believe he found me. What? On est où là? On est dans le... dans l'autre monde, vous vous rappelez? Oh là là. On va devoir prendre les cristaux. On n'est pas tout seul, ça c'est quoi? Remnants of much larger, more powerful stones can be found all throughout this domain. A testament to the Dark Lord's riches. A sliver of the Six's energy surges through them. Ok, il va falloir trouver ces fragments de cristaux. It's in a strange language, I don't understand. Bah, attention, il y a des pics. On va essayer de trouver ces cristaux. Si ? Un médaillon ? J'espère qu'on est tout seul. On va aller par là-bas. Je veux pas manquer des cristaux. Oh my god, tout ce qu'il y a. Ah ouais, c'est traître, on peut perdre la vie de partout, vraiment. Un autre médaillon. Bon, là c'était Miss Panda. On continue. Et le troisième médaillon. Donc c'est cool. On a trois médaillons. On continue. Du coup, on met les trois médaillons et ça va ouvrir la porte. J'ai l'impression qu'on est revenu dans l'orphelinat. Hello? Can anybody help me? Allô, quelqu'un peut m'aider? Vaut mieux qu'on croise personne. Hein? Ok. Il y avait quelqu'un, pas par là. Pas par là. On va aller voir de l'autre côté. Il y a rien de l'autre côté, on n'a pas le choix. Franchement, ça va être vraiment flippant, je sens. Encore des cristaux. J'ai encore, on va plus être seul pendant très longtemps. Alors une statue de cheval, ce sera peut-être un Engis. Il y a beaucoup d'Engis dans ce jeu. Note. Elle ne peut pas connaître la vérité. On parle de qui? Ok, une clé rouge. Dites-moi si vous préférez que le jeu soit en 3D ou en 2D. Le 2D avait son charme, on va pas se mentir. Ok. La clé ouvrait ici. Blackland Manor. Manor des Blackland. I feel like I've heard of this place before. J'ai une impression déjà vue. On va commencer par la droite. Ok, on a un ascenseur. Je préfère rester à l'étage et d'abord tout découvrir dans l'étage. Et ensuite, on reprendra l'ascenseur, ok? Ce sera plus facile pour se repérer. Mais des deux côtés, il y a un ascenseur. Bon, vous savez quoi? On va le prendre quand même. La chambre. Ah! Ok, j'allais dire qu'on est plus très seul. C'est confirmé. Ok, je pense pas qu'il puisse me suivre. En haut.
essayer de pas se prendre de coups, hein. Il y a les gardes! Comment on fait que les gardes? Attendez! Esquive! Ah, c'est bloqué! On a une statue qui sert à rien, hein. Ça sert vraiment à rien. Ok, j'ai la clé. La clé de quoi? Je ne sais pas. En tout cas, on a tous les cristaux. Il a failli me voir. C'est pour ici? Yes. Oh là là. Par contre, les bruits d'ambiance, y'a rien à dire, je kiffe. Oh, c'est limite. Je vais attirer par les cristaux. La bande son est incroyable, hein, y'a rien à dire. Ok, on peut se baisser comme ça. Les cristaux, ça nous fait un super cristal, on va dire. Un plus gros cristal. Ça permet d'avoir un des pouvoirs fragmentés du médaillon, en gros. Ah ouais, là, c'est les gros problèmes, les amis, là. Ok. On a des symboles au sol. Et il y aura un ordre. Donc l'ordre, et ça ouvrira cette porte. L'ordre, on va le trouver. Mais il est là, l'ordre, tout simplement. Donc, on a le trident, on va dire, le carré, le genre de haine et le losange. Donc, on aura juste à pousser la pierre. Le trident, le carré en face. Le genre de haine, il est à ma droite, là. Plus ça montre que c'est valide. Yes. Et le losange en face. C'est bon, nickel. On peut continuer d'avancer. Attention. Qu'est-ce qu'il va me dire cette fois? The Dark Lord corrupts and feasts upon the souls of the living. A deity that once reigned as the guardian of hope now resides within the shadows of despair. Malevolent, spiteful, and fierce. Gardien de l'espoir, les gars. Il y a une entité. Il est clairement maléfique. Non. That poor girl is tied up. I need to help her. Mais elle se rappelle pas de qui c'est? Donc si j'ai pas de bêtises, c'est soit notre grand-mère, soit notre petite fille. Donc nous on est Ruby. Oula, je vais me faire écraser moi. Je suis complètement inconscient. Faut l'aider les amis. En tout cas, elle est de notre famille, ça c'est sûr. On est où là? Ça, ça s'ouvre pas au sol, j'espère que c'est pas un piège. Ok, il y a des trucs qui tombent, une genre de fontaine. Là, on aura un délire de sablier. Là, de l'eau. Est-ce que c'est des éléments? Un genre de sablier, pareil, et goutte d'eau. Ok. Faut trouver ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ok, mec. T'as gagné. Je peux me cacher là? Il n'y en aura pas, il est trop grand. Ok, je retire ce que je viens de dire. Oula, ça fait mal ça. Attendez. Mais what? Je peux rien faire? On va essayer de lui faire fracasser ça. Oh mon dieu, mais. Ah! Essaye de taper ça, mec. Ah, il est pas content. Les gars, je sais pas s'il doit taper sur le sol. Peut-être. Peut-être sur le sol pour casser la plateforme et qu'il tombe dans le vide. Ah! Tap, tap, tap. Ah, je sais pas si c'est ça à faire. Je crois qu'il va casser le vase. Ok, il y a un truc avec le vase. Il y a un truc avec le vase, clairement. Mais là, ah, faut que je le remplisse. C'est bon, j'ai compris. La 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 la.
Non, c'est pas ça. Aïe. C'est dangereux, les amis. Ok, je voulais pas celui-là. On va prendre celui du sablier. Non ! On va prendre celui du sablier. On va le poser. Ok. Il est rempli. C'est chaud. Donc là, il vient de remplir. Maintenant, c'est l'eau qui veut. D'accord, j'ai compris, c'est un cycle. Allez, on pose l'eau. Poser celui-là, non. Je suis mort. Allez, rebelote. Oh mon dieu, le screamer. Alors, le premier, c'est le sablier. Et c'est le sablier. Aïe. Ah, on a pris des dégâts quand même. Il est vraiment horrible. Faut que je repose à chaque fois, c'est vrai. Je vais bloquer. Allez, le loser. Ok. On va faire se rapprocher encore. Oula, il me veut. Ça, je vais le poser. Oh mon dieu. Et maintenant c'est l'eau. Ok, là c'est rouge cette fois. Ça fait doré, bleu et rouge. Allez, dépêche-toi. Aïe. Allez, vite, on va le poser. Yes! On l'a fait tomber dans l'acide. Ouh! Eh, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Du coup, ça nous a ouvert la porte. Et j'ai fait quelque chose. Mais quelque chose, on va revenir. Hein? Ah, on l'a libéré, c'est bon. Thank you. C'est Esther, voilà. Ruby? Ruby? How do you know my name? Who are you? Ruby, it's me. I'm... Elle allait nous dire qui elle était. Oh non! Oh my god, comme il est creepy! Oula, 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 oula! On doit courir, course poursuite! Aïe! Oh le boulet! Oh le boulet! Il est juste derrière moi! Cours! Oh là là, la caméra! Ok. On va vraiment la suivre à la trace. Allez, je pense qu'elle prend le chemin le plus court, on va vraiment la suivre. Yes! Oh, c'était chaud! Well done, Ruby. You really are my little gem. Nana? I can't believe it! It's so good to see you again, dear. Ruby, how did you get here? Mr. Hop. On a changé de personnage. He took mom and dad away too. Oh no, this is all my fault. Nana, you used to live here, right? Don't you know a way out? It's
different to how I remember. Let's keep moving. C'est trop stylé qu'on soit tous les deux. Donc Esther, on est la grand-mère de Ruby, d'accord? Et donc là, c'est nous qu'on prend le relais parce qu'on est censé connaître ces lieux. Mais apparemment, c'est différent de nos souvenirs. En tout cas, très important de prendre tous les cristaux. Et je kiffe le fait qu'elle nous suive comme ça, Ruby. Hein? Oh, j'aime pas trop. Ok, un grand espace comme ça, j'aime pas trop non plus. Ici, on a une note. Cette maison est un enfer. Bah merci, j'avais pas remarqué. Nana, I really hate spiders. Mais attendez, c'était pas une araignée là, c'était un gros genou, non? Oh my god. Ah mais c'est horrible ce jeu. Ok. Une clé. On a deux clés même. À quoi servent ces clés rouges? Elles vont servir plus tard, j'ai l'impression. On l'avait pas utilisé, ça veut dire tout à l'heure. Ok, on va retourner dans le grand espace qu'on avait vu. Yes. Attendez-moi, ça me dit quelque chose cet endroit. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose cet endroit. Dans Manor Escape. On peut jouer du piano. Ok, non, il n'y aura pas de petit secret avec ça. Unyielding in his royal reign, the Dark Lord stole the six medallions that kept balance among the realms and used them to forge three strong subordinates from the ever-burning fires, willing to gather more souls for his excellence. Ok, donc faudra retrouver les six médaillons, je pense. Donc les trois entités, c'est Mr. Rope, Miss Boo et Mr. Stripe. Ça, on va le mettre dans l'allée principale, je pense. Donc, il y a sûrement de l'autre côté au fond un bouton de pression. Et avec le poids de la statue, on devrait y arriver. Ça devrait l'écraser et ouvrir une porte ou quelque chose. Elle est juste là en fait, tout simplement, je l'ai pas vu. Et c'est bon. Donc, je pense qu'on a ouvert la porte. Et la caisse. On va voir si c'est ce côté. Je la pousse pas pour. Ouais, c'est ici. Donc, on avait deux boutons de pression. Un avec la statue et celui-là. Et je pense que ça va ouvrir la porte qui est derrière nous. Ah, doit y en avoir un autre là-bas encore. Ouais, et moi je me mets là. Yes. C'est du bon travail d'équipe ça. Et Ruby ? Elle vient pas? Ok, elle m'a rejoint. J'avais peur d'être toute seule. C'est vraiment inquiétant. What? Isabel. Nana, who is that? Is she a person? Esther. It's so good to see you. Isabel. I wish I could say the same. Why don't we all play a little game? We'll go first. What? Ruby, we need to get that door open. I'll look for a switch. Ok. On va chercher un interrupteur. Oh non, on l'a perdu, autant dire qu'on est tout seul. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, le petit jeu c'est quoi? Vous avez vu cette peluche là? C'est qu'à tout moment en fait, on va se faire attaquer. Allez, toi, tu viens pas, c'est mort. Comment je sais d'où il vient? Le lapin est là! Les gars, le lapin est là, on est d'accord. Oh là là, c'est horrible. Il arrive de là.
peu façon FNAF, dès qu'on entend le cri, c'est qu'il est parché. Tu vas le trouver cet interrupteur, toi. Allez, Ruby, s'il te plaît. Et vite. Oh, j'ai peur. Allez, on est presque à la fin, là. Ça veut dire que Ruby, en haut, elle avance vers l'interrupteur. On y est presque. Allez. Pour l'instant, je vois pas la peluche. Allez, elle y est presque. Le lapin est là. Allez, on va y arriver. Faut vraiment observer et être attentif. Allez, pas de lapin, pas la peluche. C'est bon. Yes. Well done, Ruby. Are you okay? Yes, let's just get. Yes, elle a réussi, les gars. Allez, on rentre chez nous. Ciao. Suivi ? Ok. Eh, c'était vraiment très sans ce passage. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est une statue géante là ? Nana, what is that ? That is the fallen guardian of hope. Ok, c'est l'entité, les amis. Entity. Elle est vraiment horrible. That means we're in. Yes, dear. The underworld. How ? This is where bad people go. We're not bad, right ? No, of course not. Do you remember that necklace I used to own ? The medallions ? The ones you said protected us. Donc ça, c'est les six médaillons. I used them to keep the entity and Mr. Hop away from us. But as I got older and weaker, I couldn't do that anymore. We must find those medallions. Oh oh. Ruby! Elle a pas senti que ça craquait sous ses pieds? I have to get down there to her. On va descendre vraiment? Oh mon dieu. Tous ces masques du chétan. Les gars, l'entité est horrible. Dites-vous que ce sera le boss final, ça. Ok les amis, on va continuer de prendre les cristaux. On est tout seul, hein. Là, on est tout seul. Oula. Faire attention. On est de ce côté. J'ai peur de croiser des gardes encore. Ok, elle va encore nous parler. During his harvest, the Dark Lord happened upon a young troubled spirit with hatred in her heart. He tempted her with luxuries and comforts beyond her imagination, if only she were to join him. She agreed. Alors attendez, j'ai l'impression qu'elle parle d'Isabelle, la fille qu'on a vue, avec le visage mi-démon, mi-humain. Une petite fille pleine de haine. Donc on verra si c'est bien ça. Alors attention, j'ai pas envie de finir comme le gros boss. Pas évident en 3D. Allez. Allez, faut vraiment faire attention, c'est délicat. C'est bon. Ok, c'est ça qui faisait trembler le sol. On s'en sort bien. On est revenu dans l'accueil. Non, là je reconnais. Ok, là c'est différent. Ça c'est vraiment l'endroit qu'on avait vu dans Manor Escape. Du coup, il y aura des gardes au fond. They must be stopped. Yes, your excellence. I will see to it. Do not fail me. Donc j'étais par là, Isabelle, clairement. Comme s'il la contrôlait. Ok, on a les symboles. On a les symboles. Cette fille sera ma mort. Ok, ce sera pour avoir la clé du coup. Alors, un genre de losange et les cornes. Losange et les cornes. Ouais. C'est sûr qu'il y aura des gardes. Ok, y'a un garde, y'a un garde, y'a un garde, y'a un garde. Ah ouais.
Ouais, mais attendez. Quel est un truc de pression. Donc, comme ça, avec le genre de triangle vers le bas. Ça, je vais le pousser. Ah, mais il arrive au pire moment, lui. Donc là, c'est la pièce bleue. La pièce bleue, c'était le genre de diamant au centre. Ouais, celui-là. Et la parenthèse. Voilà. Et du coup, la dernière, c'était le triangle et la croix. Yes. Ok, on a entendu le son. C'est bon. Ah bah je suis allé droit sur lui là. Il m'a mis un petit coup, c'est pas grave. On va récupérer la clé et on pourra ouvrir la porte. Le boulet. J'abuse. Ok, on a la clé. Allez, j'ai voulu faire trop vite, on n'a pas fait attention. Et du coup, là on va entrer dans le manoir normal. Hein ? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est horrible. Je déteste les pleurs comme ça. What? Et bien, on va dans les ténèbres là. Vous avez vu le visage? Je crois que c'était Miss Boo, Mr. Stripe. Ils nous attendent. Oh, c'est tellement horrible. Ok, c'est Europe, ils sont tous là, ils sont tous là. What? Je vais descendre encore combien de temps? Des escaliers infinis? C'est SCP ça. Je pense que je vais faire demi-tour. Hein. What? Il y a la poupée pendue. Du coup, en tirant la corde, ça devrait changer quelque chose. Yes! Enfin. Activer trois interrupteurs pour ouvrir la porte. Oh oh. Ah ! Ok. Je me rappelle de ce passage. Surtout pas de cul-de-sac, s'il vous plaît. Je vous en supplie, pas de cul-de-sac. Pas de cul-de-sac, s'il vous plaît. Ok, je crois qu'on l'a semé. Un autre interrupteur. Très bien. Très très bien, faut qu'on continue comme ça. Faut juste pas se bloquer, les amis. Merci pour les cristaux. Et j'aime vraiment trop la musique de ce jeu. Je suis complètement dingue. Yes. Le dernier. C'est bon, j'ai tout. Allez, yes. On a réussi, les amis. Hein? J'ai l'impression qu'on joue le rôle d'une mère enceinte. C'est trop stylé que ce soit en 2D comme ça. Les gars, le jeu me surprend, c'est vraiment incroyable. Vous pensez que c'est qui? La mère de Esther? La mère de Ruby? Ah, oh, c'est incroyable. Ah, ah. Oh mon dieu, c'était un cauchemar. Ok les amis, on doit retourner chez Nana et vite. Donc on doit aller chez Esther, notre grand-mère. On est dans les égouts, hein, les pires endroits. On ne craint pas d'aller dans l'eau.
Et on va se perdre ici. Avec cet endroit. Ok, on va lui parler. Preying upon the young using terror, the Dark Lord overindulged in his feasts until he attempted to steal the alluring soul of a girl named Esther. In his desperation to not let a soul so pure slip away, just as one had done before, he was reckless. Ok, Esther a été une exception en fait. Vous vous rendez compte? Ok, il y a un garde. On peut terminer les niveaux en fait. Hein. Si j'ai pas le cristal de chaque level. Oh, bien. Si j'ai pas le cristal de chaque level, en fait, on n'aura pas terminé le jeu comme il faut. Vous avez bien vu, dans le genre de lobby, il y avait des cristaux à récupérer. Il y avait l'emplacement qui était vide à chaque fois. On a la clé. C'est trop un labyrinthe là. C'est des autres endroits, ouais. Ok, tout se ressemble dans les égouts. Oula, c'était limite. Ok, on a les clés. On reviendra. J'ai pas eu... on a failli se faire faucher. J'ai pas eu le bruit comme quoi j'avais eu le cristal. C'est ça qui m'intrigue. Aïe, je suis allé droit dessus les amis, j'ai abusé. J'entends les chuchotements. Ok. On va avancer. C'est peut-être pas la fin du niveau. Oh non. Un autre jouet. C'est Miss Boo. Miss Boo, les amis. Oh mon jeu. Oh my god, je suis derrière. Oula, il y a une petite âme là. Ok, j'ai tous les cristaux. J'ai peut-être pas dû y aller. Maintenant. Et vivement qu'on sorte des égouts là. Que c'est chaud. On a par là. Ok, c'est rien que de ça, faut faire attention. On a rien de planqué derrière. Oh, y a des choses cachées. Ok. Et je suis en train de me perdre de fou dans cet endroit. Attendez, je vais voir de l'autre côté. Allez. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On est mort, on est mort, on est mort. On va essayer de se planquer, les amis. Planque-toi, planque-toi. On a pas vu. Hein? Il y a plus d'un. C'est bon. Ouh. Oh, c'était chaud. Oh, c'était vraiment chaud, là. Allez, on continue, on va aller de l'autre côté, maintenant la voie est libre. Oh my god. Ok, toujours plus de cristaux. What is that light? Does quoi cette boule de lumière? Est-ce qu'elle veut que je la suive? Mais clairement. Elle veut clairement qu'on la suive. Est-ce qu'on va baisser un pont? Il y a deux leviers. Yes, en plus on a tous les cristaux. Nickel. Donc on a un pont pour traverser. Et on atteint une porte. Oh non, ça recommence. Ok, cette fois on sait qu'il peut y avoir des screamers. Oh mon dieu, l'œil. Hein ? Le démon a disparu et une orbe a lévité autour d'elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a un pouvoir?
I really hope Ruby is okay. Ruby va bien. Moi aussi. J'espère qu'elle va bien. Horrible, les amis. Allez, on continue. Ce jeu est vraiment incroyable. Je sais que je l'ai déjà dit, mais... je me régale. Donc on va vraiment essayer de récupérer tous les cristaux de tous les niveaux. C'est très très important. Encore une clé rouge. Je me suis renseigné, apparemment les clés rouges, ça serait des clés destinées à un mini-jeu à la fin. Donc plus on en a, plus on pourra faire des mini-jeux, je crois. Et peut-être comme le délire des gold dans l'ancien jeu. On pouvait acheter des skins et tout. Je sais pas si vous vous rappelez. Ok. Là, on aurait un bouton. Qu'est-ce que je peux pousser ici? J'ai l'impression qu'on puisse pousser quelque chose. C'est très très grand. Oula, il y a vraiment de quoi se perdre. Récupérer tous les cristaux ici, ça va pas être évident. Pourquoi on a un miroir brisé? Ok, verrouillé. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ça? Esther would not succumb to the Dark Lord's might. She managed to enter the realms where the Six lied and use them to overpower him. It was only in his defeat that he realized who this Esther was. He had been foolish. Ok, donc là il nous raconte clairement ce qui s'est passé dans Mr. Hope 2. C'est bien la suite celui-là. Qu'est-ce qu'on a sur cette note? Elle est différente. Verrouillé. Oula. Petit screamer. Ça va être important d'avoir tous les cristaux pour avoir la fin ultime, les amis. Vous savez comment ça se passe dans ces jeux-là? Ok. On va aller à l'étage. I need to find something that can cut through this. Ok, coupez ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette... Ah, mais c'est bon! Miroir. Miroir, miroir. I cut my hand. Ah, il nous faudrait un tissu, quelque chose. Hein? You smell that? Tu sens ça? Sacred blood. Why is one of those here? Are we saved? Has it come to take pity on us? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ok, on a fait une bonne chose déjà. Ok, vu que je me suis coupé, j'en déduis que on a ramassé le miroir. Yes. C'est bien ça. Oh non. Oh mon dieu. Bon, bah on va pas à droite, du coup. Ok, reste enclenché. Les gars, il va y avoir de la course poursuite là, je sens. Avec Tigrou, Mr. Stripe. Oula, c'est pas bon. Oh mon dieu, il y a la peluche. Il y a la peluche. Il y a un ordre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai éteint la lumière? Ah! Ah! Mais attendez, c'est cache-cache! C'est chaud! C'est chaud! Il essaie de m'attraper! Oh mon dieu! Oh my god, vous avez vu comme c'est chaud? Alors, je crois que je dois appuyer sur les dalles en fait. Ah! Ah! On va mourir! Thank you.
J'ai pu me barrer. Je peux partir. C'est cool, ça va être chaud. Bon, je suis pas censé être ici. Je suis pas censé être ici. Ah! Ici. On suit la lumière en fait. Les gars, j'ai glitché, je crois. Oh mon dieu. Ok, là-bas, il y a une orbe. Ici. Ouais. Là-bas. C'est bon? Yes. Wouh. C'était chaud. Du coup, continue. Oh là là. Finally, the first medallion. Yes, premier médaillon. Non. Bon, tirer. Je peux tirer avec le médaillon. Yes. Premier pouvoir. Alors j'ai pas confiance en les obstacles. Yes. Les arrête pas. Les gars, on a un pouvoir. Incroyable. Les chambres de l'orphelinat. Do you think Miss Beverly ever smiles? Only when a puppy is in danger. Can we go play now? What? On est une note. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Ok les amis, on continue. Vous avez vu, l'orbe me protège? Ah! Livre-toi à nous. Oh my god, c'est horrible. Je crois que je suis en train d'utiliser le pouvoir du médaillon en fait. Et c'est encore ce cauchemar. Donc là on a le père et la mère, donc je sais pas si c'est le père et la mère de Ruby. Je pense que c'est le père et la mère de Ruby parce qu'on sait qui est la grand-mère, c'est Esther. On ne connaît pas la maman. Je m'en rappelle plus. Oula, ça a l'air d'être un terrain de jeu pour enfants ça. This looks like my nursery. Une école maternelle. Ouais, là on va se perdre. Commence à droite. Ça rigole. S'il vous plaît, pas de clown. Pas de clown, s'il vous plaît. Une note. Ces mots n'ont aucun sens. Elle voit des choses qui ne sont pas là. Elle parle de qui? Alors attendez, on a une énigme. Faut que les couleurs se touchent, c'est ça? C'est un peu casse-tête cette énigme. Yes! Ok, on a réussi. Encore une clé. Ça fait peur comme ça rigole ici. C'est quoi ça? Une lune! Ok, on aura des symboles à mettre quelque part, je pense. C'est gigantesque, je vais me perdre. Ok, la lune est ici. Ouvrir cette porte. Donc là, c'était la salle de la lune. C'est très facile de se perdre ici, les amis. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, on va à 24. 6. Ok, non, c'est pas ça. Tac, tac, tac. C'est bon. Donc on l'a fait.
Il manquera une dernière énigme. Ok, on a l'étoile. Encore une énigme. Attendez. Trouver le nombre, c'est ça? Attendez, je viens de réfléchir à un truc. Est-ce que ça serait pas les côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On additionne les côtés. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'autre étoile. Là, ça fait 4 pour losange. 1, 2, 3, 4. Et on rajoute 5. 1, 2, 3, 4. Pour l'étoile, c'était ça, yes. C'était ça, les amis. Du coup... Ok, du coup, on a le triangle, on a tout ce qu'il faut. Et là, on pose le triangle et l'étoile. Et c'est bon. Yes. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a par là? La cuisine. Je perds la foi. Ok. Donc j'ai toujours mon pouvoir, n'oubliez pas. Oula, 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 oula. Dégage. Ok, c'est 3 coups normalement. 3 coups. Yes. C'est bon. Et heureusement qu'on a ce pouvoir, hein. Du coup, ça nous a ouvert. Oh, c'était vraiment traître là. On a à gauche. Des chaînes. Ça sent pas bon, des chaînes. Je fais penser à House, le jeu qu'on avait fait. Je sais pas si vous vous rappelez. Ok, on a des statues. Elles servent à quelque chose. On a 6 clés. C'est pas mal. Allez, on retourne du côté des chaînes. Symbole. Symbole assez chelou. Attendez, vous pensez qu'on peut interagir avec notre pouvoir? Yes. Attendez, on refait. Oui. Oui. C'est ça? Ah, ok, j'ai compris. Tac. 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 C'est bon. Et du coup, on va revenir sur nos pas. On a dû faire quelque chose. Ok, ça nous a ouvert cet endroit. Mais sur pas confiance du tout, les gars. Oh, c'est Isabelle! Alone, Isabel. Let my family go home. You will not keep us confined again. Oh mon dieu. Donc je pense que c'était une personne qui était dans l'orphelinat avec Esther à l'époque. I do remember this place, and I tried so hard to forget it. They didn't even want me. Je pense qu'elle s'est faite posséder justement, parce que c'était sûrement une âme en peine pleine de haine. Comme il l'avait dit sur la note qu'on avait lue. Ok. Moi, on a tous les cristaux ici. What? Dégage! Aïe! Mais qu'est-ce qu'il m'envoie des crottes de nez? Eh ben, on dégage. Oh là là, c'est monstre. Non! Non, 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 non. J'ai pas confiance, j'ai peur. Pourquoi il vient en courant vers moi? Ok, non. J'avais rien à craindre en fait. Nana? Ruby! Thank goodness! Are you alright? Yes, but I think something is following me. Oh non, non. Stick close to me. I can put an end to this. Ok, ça sent la fin là. On va défendre Ruby. Déverrouiller. Donc il y a plein de portes verrouillées dans le jeu. Je pense qu'on a oublié plein de boutons de pression.
Aïe. J'aurais mieux fait de garder ma vie. Encore un médaillon ? Il sert à quoi celui-là ? Ok, j'ai l'impression qu'on contrôle le père cette fois. Donc on court sous la pluie. Et on va vers où ? Ok. Vous avez vu la main derrière ? Ok, donc l'enfant est spécial. Faith, come home. You are not well. Arthur et Faith, les parents. How did you do that? With the medallion's energy. It's how I beat the entity last time. Nana, you're so cool. Well, thank you, dear. Mais ouais, on est cool. C'est grâce au médaillon ça qu'on est cool. Regardez-le! Stay behind me. Oh mon dieu. Dégage, mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vraiment casser cette vitre? On se tire. On se tire, faut pas rester là. On va les détruire, ça aussi. Ok, il y a 10 tentacules. Un peu de piano pour détendre l'atmosphère. On doit détruire les tentacules, mais il y a Mister Hop. Faire attention. Allez, go tout détruire. Il en reste 6. Oh, l'horloger. Violette. On peut pas interagir? C'est vraiment bizarre, hein. Une note. Il la veut. Garde-le loin de nous. Ok, donc je pense qu'Esther doit protéger Ruby, justement. Il veut son âme. Ensuite, ça s'ouvrira, d'accord. Allez, on est à la moitié, là. Pas facile pour s'opérer. Petit fail. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? With the six tightly within her grasp, the fallen guardian of hope, along with his loyal servants, were confined to their own domain, imprisoned until her inevitable aging weakened her mortal body. Ok, donc Esther avait vaincu l'entité en gros, parce qu'elle avait les 6 médaillons en sa possession. Mais le fait qu'elle vieillisse, ben, elle est plus assez puissante, plus autant puissante qu'avant, et du coup elle pouvait plus les garder. C'est pour ça qu'ils sont revenus. Et oui, Esther est une vieille mamie. Et en tout cas, elle est badass pour une mamie. Ok, on a tous les cristaux. Il est revenu, lui. Il m'en manque un. Attendez. Il y en a un qu'on n'a pas fait. Yes! C'est bon. Ok, maintenant ça devrait être ouvert. Oh mon dieu! Non! Fallait à la gauche! Oh le boulet! Ok, ok! Cette fois, c'est ce qui va à gauche, allez! Yes! C'est bon! Ouh! Oh, c'était limité avec Miss Boo! Ok. Y'a rien? Tout ça pour ça? Oh oh. Ça sent les problèmes. Ça sent la fin, Nana, les gars. I just want all of us to go home. I know. And I will make sure of it. And things to go back to normal. Like you being really old. I know you meant well with that comment. Ok, c'est vrai que de base elle est vieille, mais là elle est redevenue jeune pour nous aider. Ok, ça sent le boss, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un exec géant? Ah! What? Faut détruire ses œufs? Ok, dans le dos. Il a une cuirasse en fait. Dès qu'il m'envoie les œufs, je l'attaque dans le dos. Il y a Ruby dans le coin. Aïe! Oula, ça fait mal. C'est dans le dos qu'il fallait que j'attaque.
Miss. Allez. Yes. On va se caler dans l'angle, ce sera plus stratégique. Yes. Allez, attaque-moi. Hein? C'est une nouvelle phase? Oh là là, il veut pas envoyer les œufs. Aïe. Ok. Aïe. Non, j'ai raté. Je vais mourir. Eh, c'est limite, hein. Allez, Ruby, aide-moi, s'il te plaît. Voilà, midlife, hein. Je prends un coup, je suis mort. Oh là là, il est gigantesque. Il peut pas m'attaquer avec ses œufs. Je sais même pas comment j'ai survécu à ça. Allez, 3 coups. Deux coups. Allez. Non, il n'a pas compté sur moi. Oh, c'est chaud. Et un dernier coup. On peut y arriver. Yes. On a réussi. Nano, that was amazing. Merci. Merci. La médaille encore. On en a 3. Ok, j'ai l'impression qu'on est chez le docteur. Donc Faith et Arthur. Donc l'enfant est spécial. On sait toujours pas si c'est Esther ou Ruby. Non. Les gars, je pense qu'elle va commettre l'irréparable. Ah non, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru qu'on allait se jeter dans le vide. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Hein? Contraction? Ok, on continue. Nana, this is just like that maze we went to once. Oh non, c'est la labyrinthe, yes, encore. At the carnival, with that creepy jester, we can get through this. Stay close. Ok, il y a un bouffon. Oh là là, en plus faut récupérer les cristaux. Oh non. Non. Les gens qui ont peur des clowns en PLS. Il est à peu près derrière moi, je crois. Faut le regarder. Faut le regarder. Faut le regarder. Faut jamais le quitter des yeux. Il va me bloquer là. Je suis mort. Il m'avait bloqué. Oh mon dieu. Pire truc ever. Il est dans mon dos. Les gars, j'ai... Ah, ah.
Comment il fait ça? Il est là. Il est là. C'est horrible. Ok, on a trouvé la sortie. Bye bye. Wouh! Yes, on a tous les cristaux en plus. Oh là là, c'était horrible ce passage. Une puanteur nauséabonde quand je me réveille. Ok, je voulais pas faire ça. Eh, c'était une bonne idée du coup. Reste dans le coin, t'as raison. Ne m'aide surtout pas. Bien joué. There's that light again. La boule de lumière, c'est une âme hein, qui veut nous aider. C'est peut-être notre mère. Encore médaillon. Yes. Attendez, on est en fantôme là. Comme si on était mort. Comment ça se fait qu'on est en fantôme? On a juste eu les contractions. Et c'est quoi cette orbe jaune? Only two more medallions to go. Are you okay, Ruby? Oh mon dieu. Ruby? Non. Il l'a enlevé. Oh my god, va falloir la trouver. On est dans les ténèbres, les amis. Ok, cette fois on contrôle Ruby. Hein? Mon dieu, c'est l'entité. You must be Ruby, a fitting name for such a valuable soul. I would not dare hurt you. You're the entity. What do you want from me? Only your safety, young. C'est un gros chétan. As well as my own from that grandmother of yours. Nana Esther? But she protects me. Young Ruby, she is not what she seems. Some time ago, she stole my medallions. Les gars, essayez de nous embrouiller pour qu'on trahisse Esther. Because you're evil. She saved us. We are cursed, forsaken, not evil. And this curse is a burden we must carry to help unfortunate souls cross over to the other side. The six make our suffering more bearable. They belong to me, and Esther is nothing more than a malicious thief. Allez Ruby, faut pas le croire. She'll hurt you too, young Ruby. I don't believe you. You're lying. C'est bien. Is that ne crois pas. So? Tell me, if she cared for you so deeply, why would she give you a toy that has taken everything from you? Your parents are gone. Les gars, nous embrouiller le cerveau. Your friends have abandoned you, and now you're all the way down here in this dark abyss. But she. Oh non. Je dis pas qu'il va réussir. Don't you see? Esther thinks nothing of you. She has lied to you and is now using you to steal what is rightfully mine. Help me find her and I will give you everything. Non. Il a réussi à la manipuler? I can't believe we got separated again. I have to find her. Les gars, l'entité, elle est vraiment maléfique. Vous avez vu ce qu'elle arrive à faire? Elle a embrouillé notre petite fille. Qu'elle va réussir, vous pensez? You have no idea how special you both are. Who are you? Why are you helping us? D'accord, donc l'enfant, c'était Esther. Et je pense que c'est notre mère, cette orbe. Donc c'est bon, j'ai la réponse à ma question. La femme qui était enceinte, c'était Esther, le bébé. Oh mon dieu, il est trop fort. Il me fait de ces screamers à chaque fois. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Allez, je sens qu'on approche de la fin, là. With her mind and body frail, the Dark Lord emerged from his confinement and took back all that was rightfully his. Esther was imprisoned and, in his vengeance,
made sure her daughter and granddaughter were to suffer a similar fate. Merci la caméra. Ok. On va tout faire pour s'en sortir les amis. Une clé. Donc ça je vous le rappelle, apparemment c'est pour les mini-jeux de la fin du jeu. J'espère qu'on n'a pas beaucoup manqué. Pour une grande pièce. Oh non! Isabelle! Elle est où? Ça sent le boss. Ah! C'est Miss Boo! Elle va me rouler dessus? Ah! Non! Oh mon dieu! What? Ok, il y a son ombre! Elle fait des jumps de fou, les gars! Ok. Ok. Elle est super forte! Allez! Ok, c'est pas possible d'enchaîner. Yes! Si j'anticipe bien, il y a moyen de lui faire des dégâts. Nickel. Ah! Ok, là, ça sert à rien de faire le pouvoir! Allez, vite! Allez, on va y arriver! Yes, plus que 3 coups. 2. Allez, elle fait la roue, elle fait son intéressante. Non, il a pas compté ce coup. Oh mon dieu. Allez, un dernier. Yes. Il s'est redevenu une peluche tout kawaii. Nickel. Un levier. Donc là, ça sera pour la porte. Et du coup, on va affronter Mr. Stripe en face, les amis. Ok, vous êtes prêts? Une clé. Yes. Allez. On entre. J'ai peur. Je peux pas faire ça sans elle. Ok, je pense que c'est là la scène de combat. D'abord, on va parler. The house in which Esther had lived was realized in the underworld as a strong reminder to the entity of the shadows that she cannot ever be freed. Ok. C'est tout ce qu'il faut. Donc on va aller combattre les amis. Cette fois ça sera Mr. Stripe. Oh! Ok. Du coup il va faire comment lui? Ah! Ah ouais, il est super fort! Il a pratiquement le même pouvoir que moi. Faut bien l'anticiper. Hein. Oh là là, c'est tellement épique. Non. J'ai pris trop de risques. Je prends trop de risques. Allez, on va le vaincre. Faut juste être patient. C'est un boss de Dark Souls, hein. Clairement. Oh là là, c'était risqué. Allez, dernier coup. Et c'est bon. Et il redevient peluche kawaii. Hein?
Ok, donc regardez, c'est Arthur le père avec Esther du coup. Esther est l'enfant. L'enfant spécial. Et vu que la maman est décédée, il la confie à l'orphelinat. D'accord. Give my family back to me, and I won't have to break all of your toys. Ok les amis, là je pense que c'est le combat final. C'est le moment de vérité. Non! C'est encore le monstre qui me dégueule dessus là! Ok, on a tous les cristaux. Ils sont faciles ceux de la fin. Le gameplay est plus basé sur les monstres. Ok, Mr. Hop! C'est quoi sa spécialité à lui? Ah ouais, il est trop fort! Il est portail dans le sol! Aïe! Ok. Ok, les amis, le but c'est vraiment de rester loin de lui là. Loin de lui. What? Il se transforme en lapin creepy! What? C'est quoi ces pouvoirs qu'il a? Oh, lui c'est le pire. Le one shot. Ah! Oh, l'esquive. Non, pas celui-là. Il est en train de nous faire un trou noir. Esquive. Et il fait vraiment peur ce chip. Hein. Oh mon dieu. Oh, quand il a un lapin des ténèbres comme ça, il est horrible. Ah vite, on est trop proche là. Ah, j'ai peur son trou noir, honnêtement. Allez, plus que deux coups. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? Il s'est double transformé dans le même truc. Allez, je prends pas de risque. J'avais trop peur de ce pouvoir justement. Ah! Il est invincible en plus comme ça. Il va super vite. Les gars, je suis obligé de prendre la distance. T'as pas me lâcher. Oh mon dieu. Là c'est Dark Soul hein. Ah, ah. Allez, dernier coup. Devient une peluche kawaii et en plus il me donne un médaillon. Vous avez tous échoué. Non. Il va s'occuper de moi. Non. C'est l'entité les amis. Where is she? Young Ruby is right here. Safe with me. La pauvre. Ruby, are you okay? Young Ruby has come to her senses and is now my subordinate. Non, il a embrouillé, il a manipulé, ça y est. You gave me that toy, Nana. You took my life away from me. Non. You're the reason I'm even here. Ruby, I never would have given Mr. Hop to you if I could have helped it. They took control of me. I'm so sorry that I couldn't protect you. Another lie. You're still my little gem, right? Enough of this. You will fall here, Esther. C'est la fin. Est-ce qu'elle va nous sauver? Nana? Non. Mauvaise ending, les amis. Je suis sûr, c'est parce qu'on n'avait pas tous les cristaux.
Ok, j'ai refait le jeu avec tous les endroits où j'avais pas les cristaux. Donc regardez, normalement j'ai tout. Je les ai tous. On a plus d'emplacement vide. Du coup, on va pouvoir retenter pour voir si on a une good ending. Du coup, on se rebat contre Mr. Hop. C'est parti, il est super fort. Ok, je suis en train de le spammer de fou là. C'est trop risqué ce que je fais. Mais ça marche bien. Allez vite, on est le trou noir. C'est dommage de mourir là-dedans. Dernier coup. Et c'est bon. Ah, je l'ai speedrun là. Et du coup, dernier médaillon. Espèce de loser. Et du coup... Est-ce que ça va changer la fin? Pour l'instant, c'est pareil. Where is she? Young Ruby is right here, safe with me. Ruby, are you okay? Young Ruby has come to her senses and is now my support. Donc là, vous avez vu, il a manipulé clairement. Il a fait croire qu'Esther avait donné volontairement la peluche à sa petite fille pour lui nuire, alors que pas du tout. You're the reason I'm even here, Ruby. I never would have given Mr. Hop to you if I could have helped it. They took control of me. I'm so sorry that I couldn't protect you. Another lie. Est-ce que ça va marcher cette fois? You're still my little gem, right? Est-ce que la fin va changer? Enough of this. You will fall here, Esther. Allez. Yes. Elle a envoyé le médaillon. You treacherous wretch. Oh mon dieu, la pauvre. Yes, on a tous les médaillons du coup. On est surpuissant. Say something. Oh non, pauvre Ruby. That compassion you sacred ones insist on carrying is what makes you so weak. You both will die here. Ok, le pouvoir des médaillons, les amis. Yes. What? C'est devenu un ange. Un ange super saiyan. Attends, espace pour tirer. What? What? Les gars, c'est trop stylé! Oh my god! Ça va être super dur par contre! On peut pas parer ça! Oh my god! Allez, on dash, on dash! Et il est tellement épique ce combat! Allez, on esquive! On dirait même plus le même jeu! Oh my god, sur fond de rock et tout! Venez vite! Je vais dasher à fond! Oh non! Et en fait, il se recharge! Bah écoute, le combat est dur, hein! Vite. J'ai l'impression que les lasers bleus lui remettent de la vie. Oh my god. Oh mon dieu. Ok, c'est reparti. Je peux spammer, c'est incroyable.
c'est chaud les lasers. Oh my god, il est vif. Hein. Les gars, j'ai l'impression que sa vie ne descend jamais. Oh là, l'esquive. Oh là là, l'esquive. C'est tellement épique. Et c'est tellement dur d'éviter le laser. Je suis full focus là. Oh my god, c'est tellement épique. Comment il a fait pour me toucher? C'est chaud. Allez, presque. Yes. Il m'a même touché en tombant. Oh my god, qu'est-ce que c'était dur. On l'a vaincu, yes. Il en a soigné Ruby. Wow, Nana, you look amazing. I'm sorry I didn't trust you. Don't be silly. Everything's okay now. I think Mum and Dad are waiting for you up there. What? You're not coming? The entity said this place must have a ruler, and someone needs to keep all these souls in check. Besides, oh, c'est incroyable. There's no place for an old girl like me on the surface anymore. I will watch over all of you. Always. Goodbye, Nana. I am so proud of you, Esther. Space, et du coup c'est la mère d'Esther. Hein? C'est pas terminé? Oh là là, c'est tellement épique comme fin. The End. C'est la meilleure fin, les amis, et je pense que le jeu se termine sur ça. Hein? Je crois que non, en fait. Isabelle. C'était Isabelle, les amis.